Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus à votre émission Le Retour à la Parole. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, pour le privilège et l'opportunité qui nous permet d'être ensemble. Merci à vous qui nous recevez chez vous. Nous voulons profiter de ce temps que le Seigneur nous accorde pour nous édifier, pour nous encourager, afin de mieux nous préparer à son retour, à son avènement. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter les moments au Seigneur et nous allons commencer notre partage. Merci Yeshua pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Enseigne-nous, nous voulons te craindre, nous voulons laver nos robes. Au-delà des souffrances que le monde nous impose, nous voulons tenir ferme afin de te voir un jour, car tu reviens dans ta gloire. Au nom de Yeshua, Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre sur la thématique liée à la fin des temps. Donc, nous allons poursuivre et achever aujourd'hui avec le jugement dernier et la nouvelle Jérusalem ou la nouvelle Jérusalem. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un temps, on a commencé il y a déjà environ 2 mois avec la thématique liée à la fin des temps. On a parlé des 3 horloges prophétiques. Et on a un peu vu l'horloge relative aux nations, relative à Israël, à l'Église. On a vu que la quasi-totalité des signes qui annoncent le retour du Seigneur sont accomplis. Et après ça, on a vu les événements liés à la fin du temps. On a parlé notamment de l'enlèvement de l'Église. On a parlé des noces de l'agneau au ciel, du tribunal du Machiav afin de recevoir des couronnes. On a parlé sur la terre pendant ce temps de la grande tribulation. Après la grande tribulation, on a parlé du retour, de l'avènement du Seigneur, donc du jour de Yahweh. On a parlé de la bataille d'Armageddon, on a parlé du jugement des nations, on a parlé du jugement d'Israël qui était lié à sa repentance, à sa conversion. On avait aussi parlé de la deuxième phase de la première résurrection, donc celle qui était relative à la résurrection des croyants de l'ancienne alliance. On a aussi parlé de quel événement. En tout cas, on a vu les différents événements. On a parlé du jugement du faux prophète et de la bête. On a aussi parlé du jugement de Satan qui a été lié pour 1000 ans. Et je pense que le vendredi dernier, on a parlé du millénium, donc du règne de 1000 ans, du règne millénaire du Seigneur avec son Église et avec Israël sur la terre. Et on avait aussi parlé la semaine dernière de Satan qui avait été lié pour 1000 ans, je pense que je l'ai déjà dit. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le jugement dernier et la nouvelle Jérusalem. Donc on va prendre nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 20, on lira à partir du verset 7. Donc aujourd'hui, on parlera du jugement dernier de la nouvelle Jérusalem. On va d'abord voir quelques événements, on va voir quelques deux, trois événements qui se produisent avant. Donc on va parler de Satan qui va être délié à l'issue de 1000 ans. Donc Apocalypse 20, on va lire à partir du verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9, et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville aimée. Et du feu descendit du ciel de la part d'Élohim et les dévora. Donc ici, on peut enlever le passage un instant. Donc ici, on apprend qu'à l'issue des 1000 ans du royaume, du règne de Yeshua avec son épouse sur la terre, à l'issue de 1000 ans, Satan sera délié. Mais il sera délié pour 2 choses principalement. Il sera délié, un, pour séduire toutes les personnes qui seront nées, donc tous les inconvertis qui seront nés, n'est-ce pas, sous le règne de 1000 ans. Il va séduire toutes ces personnes, parce que comme on l'avait vu, durant le règne de 1000 ans, il y aura des inconvertis, des peuples issus des nations qui auront leur corps physique. Donc durant les 1000 ans, ces personnes auront des enfants. Et comme le Seigneur est juste, parce que durant le règne de 1000 ans, Satan fera lier. Donc il n'y aura pas de séduction que Satan, n'est-ce pas, mette en œuvre pour les atteindre. Mais à l'issue de 1000 ans, parce que le Seigneur est juste, il permettra que Satan soit délié pour séduire ces nations, ces hommes et ces femmes qui naîtront justement durant le règne de 1000 ans. Et précisément les inconvertis.
qu'il va séduire et qui vont le rallier pour la grande bataille. Donc Satan est délié pour, premièrement, séduire les nations, les hommes et les femmes qui naîtront durant le règne de 1000 ans. Et deuxièmement, Satan est délié pour la dernière guerre, qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog. Donc les frères vont remettre le pareil sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations. Et il sortira, verset 8, et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre. Donc, on apprend que lorsque Satan sera délié à l'issue des 1000 ans, il va séduire les nations aux quatre coins de la terre. Donc, les quatre coins nous parlent des quatre... du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc il va séduire les nations aux quatre coins, de quatre coins cardinaux, comme on l'appelle communément. Il va séduire les nations aux quatre coins du monde. Donc toutes les nations, n'est-ce pas, de la terre, toutes les nations inconverties, je dis bien, seront séduites par Satan. Donc Satan va sortir pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, comme c'est dit. Et on parle de Gog et de Magog. Et on peut enlever le passage un instant, s'il vous plaît, les frères. À quoi renvoient Gog et Magog? Sur le plan géographique, et si on médite Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 aussi, Gog et Magog renvoient à certaines nations, notamment la Russie, notamment la Chine, notamment la Syrie, notamment l'Iran et l'Irak et plein d'autres nations. Vous voyez, c'est des symboles, mais Gog et Magog renvoient simplement à toutes les nations même de la terre qui seront rassemblées avec Satan pour la bataille de Gog et de Magog. Donc Gog et Magog renvoient à la Syrie, renvoient à la Russie, renvoient à la Chine, renvoient à l'Iran, à l'Irak, à plusieurs nations qui, à l'issue de ces 1000 ans, n'est-ce pas, vont se rassembler autour de Satan et vont, n'est-ce pas, faire la dernière guerre avant d'entrer dans le jugement dernier. Les frères vont afficher le passage à nouveau, s'il vous plaît. Donc le verset 8 dit, et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Donc on apprend que à l'issue des 1000 ans, il y aura une dernière et une ultime guerre. La guerre appelée la guerre de Gog et de Magog. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Donc on apprend que les nations, les hommes et les femmes que Satan séduira, on peut enlever le passage encore un instant. On apprend ici que et le nombre de ces hommes et de ces femmes seront comme le sable de la mer. Pourquoi on parle du sable de la mer? Simplement parce que on ne peut pas compter le sable au niveau de la mer. On ne peut pas compter ce sable parce qu'il est incomptable, il est innombrable. Donc on apprend que les hommes et les femmes qui seront séduites, n'est-ce pas, les personnes qui seront séduites, n'est-ce pas, par Satan lorsqu'il sera détaché après son règne de 1000 ans seront d'un nombre incalculable. Et on a bien précisé qu'il s'agit bien sûr des inconvertis, parce que tous ceux qui sont convertis ne pourront plus être séduits par Satan, parce qu'on aura revêtu de corps incorruptibles. Donc les nations inconverties, toutes les personnes qui naîtront durant le règne de 1000 ans feront séduites par Satan. On apprend que ce nom est comparé au sable de la mer. Donc il y aura beaucoup de personnes qui seront séduites, qui vont rallier Satan pour la guerre de Gog et de Magog. Et quelle sera l'issue finale de cette guerre? On va remettre le passage sur l'écran. S'il vous plaît, les frères. Donc, le verset 9. Ils montèrent sur l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp des saints. Donc, on apprend que pour cette guerre, une fois de plus, les nations vont se rassembler au niveau de Jérusalem, de Jérusalem. Ils vont encercler la ville sainte. Donc, on dit... Ils encerclèrent le camp des saints et la ville aimée, donc il s'agit de Jérusalem. Et du feu descendu du ciel de la part d'Élohim, il les dévora. Donc on apprend que lors de cette guerre, le feu va descendre du ciel et va dévorer, va consumer toutes ces nations qu'ils seront rassemblés par Satan pour la guerre de Gog et de Magog. Donc on va enlever le passage un instant. Donc on apprend ici qu'à l'issue de 1000 ans, il y a un événement qui précède le jugement dernier, c'est Satan premièrement qui est délié. Et on a vu que Satan est délié pour deux choses. Satan est délié premièrement pour sceller toutes les nations qui naîtront durant le règne de 1000 ans. Je précise bien les nations païennes. Parce que comme on l'a vu, l'Église et les croyants de l'ancienne alliance auront des corps incorruptibles, des corps semblables à ceux des anges. Et les Juifs aussi, et ceux qui, n'est-ce pas, se convertiront devant la grande tribulation auront des corps changés, des corps qui ne seront plus soumis au péché.
Et on apprend ici que, il y aura des nations païennes durant le règne de 1000 ans. Donc, ce sont ces nations-là qui continueront, tant pour moi, à se multiplier, à faire des enfants. Et c'est justement ces nations-là que Satan viendra séduire pour la bataille, pour la guerre de Gog et de Magog. Donc, ça te délie pour, un, séduire les nations aux quatre coins du monde, donc les quatre points cardinaux, les quatre des nations de toute la terre simplement. Et deuxièmement, il sort pour la guerre de Gog et de Magog. On a vu que Gog et Magog correspondent non seulement à la Chine, à la Russie, à l'Iran, à la Syrie, en tout cas à un bon nombre de pays, n'est-ce pas, qui sont au nord de Jérusalem, au nord de Jérusalem, à certains pays, n'est-ce pas, qui se rassembleront pour faire la guerre au peuple du Seigneur. Donc, à l'issue de cette guerre, comme on vient de le voir, le feu descend du ciel et consume toutes les nations qui viendront pour cette guerre. À l'issue de la guerre de Gog et de Magog, il y a un autre événement qui se produit, qui se passe. C'est Satan qui est lié. Et là, on est dans Apocalypse chapitre 20. On va lire à partir du verset 10. Donc, on va juste descendre. Apocalypse chapitre 20. On va lire à partir du verset 10. Donc, à l'issue de la guerre de Gog et de Magog, il y a un autre événement qui se passe. Satan est lié cette fois-ci et il est jeté dans le lac ardent de feu et de soufre. Donc, verset 10. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit d'âge en âge. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'à l'issue de la guerre de Gog et de Magog, Satan sera maintenant à son tour jeté dans le lac ardent de feu et de soufre, et où il sera tourmenté d'âge en âge pour l'éternité. Donc, on va enlever le passage un instant. Souvent, on confond l'enfer et le lac ardent de feu et de soufre. L'enfer, c'est le lieu provisoire où vont tous les impies actuellement. Mais l'enfer n'est pas la destination finale des impies. L'enfer nous parle du Sheol, de la Géhenne, ou du séjour de mort sous la loi. C'est ça l'enfer. C'est ce lieu-là où vont provisoirement tous les impies. Mais le lac ardent de feu et de soufre, c'est la destination finale de tous les impies. C'est un lieu que seul le Seigneur connaît où ce lieu se trouve. Ce lieu, n'est-ce pas, le Seigneur seul connaît où ce lieu se trouve. Et c'est un lieu qui sera inauguré, autant pour moi, par le faux prophète et la bête. Et le troisième élément qui sera jeté dans cet endroit, c'est Satan, comme on l'a vu ici. Donc, on ne doit pas confondre l'enfer et le lac ardent de feu et de soufre. Le lac ardent de feu et de soufre, c'est la destination finale de tous les impies. C'est pourquoi, justement, le jugement dernier ici commence par le jugement de Satan. Donc là, on est en train de rentrer dans le jugement dernier. Le jugement dernier commence seulement par Satan parce qu'il est envoyé, il est jeté vivant dans le lac ardent de feu et de soufre. Et celui-là aussi est appelé la seconde mort. Pourquoi? Parce que c'est une mort éternelle. Là où on vit certes, parce qu'on respire, mais on souffre pour l'éternité. Pourquoi seconde mort? Parce que justement, on est séparé d'Elohim pour l'éternité, on est séparé de Yeshua pour l'éternité. C'est pourquoi on appelle cet endroit le lac ardent de feu de soufre, on l'appelle la seconde mort. Parce que la première mort, c'est bien sûr la mort spirituelle ou la mort physique. La mort physique et la mort spirituelle. Et la seconde mort, c'est seulement cette mort pour l'éternité, la séparation éternelle avec le Seigneur. Alors, la première mort, c'est la mort spirituelle. Et cette mort-là, on la vit en étant vivant, bien sûr. Parce que les gens sont vivants, vivent, mangent, dorment, se marient, mais spirituellement, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'elles sont séparées, ces personnes, du Seigneur. C'est la première mort, la séparation avec le Seigneur. Et justement, la seconde mort, c'est la conséquence de la première mort. Donc, parce qu'on est mort déjà sur le plan spirituel, parce qu'on est séparé du Seigneur, on connaît naturellement la mort physique. Et bien sûr, la seconde mort. Donc, la première mort, c'est la mort spirituelle. Et qui sont concernés par la mort spirituelle? C'est tous les inconvertis, parce qu'ils font séparer du Seigneur sur le plan spirituel. Les chrétiens qui ont aussi connu le Seigneur et qui sont repartis, alors vaut mieux aussi expérimenter la mort spirituelle, la première mort.
Et justement, la seconde mort, qui est le lac ardent de feu et de soufre, n'est rien d'autre que la conséquence de la première mort, qui est la mort spirituelle. La mort physique, c'est la mort la plus basique. C'est aussi une conséquence du péché. Donc, on peut remettre le parallèle sur l'écran, s'il vous plaît, les frères. Donc, à l'issue de 1000 ans, il y a la guerre de Gog et de Magog. Le verset dit simplement que le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit d'âge en âge. Qu'est-ce qu'on apprend ici, frères et sœurs? On peut enlever le passage. On apprend que Satan, qui est l'accusateur, Satan qui tourmente les hommes aujourd'hui, lui-même sera tourmenté jour et nuit. Donc le lac ardent de feu et de soufre est ce lieu que le Seigneur a destiné pour punir tous les impies, en commençant par Satan. Donc il y a Satan, il y a le faux prophète et il y a la bête, ou l'homme impie, anti-machia. Ils seront tourmentés dans ce lieu-là jour et nuit, on dit d'âge en âge, donc pour l'éternité. Donc le lac ardent de feu de soufre, c'est la destination éternelle de tous les impies, en commençant par Satan. C'est terrible. Et on apprend que Satan sera tourmenté. Donc celui qui tourmente actuellement les hommes, qui incite les hommes à faire le mal, mais lui-même on apprend ici que lorsqu'il sera jugé, il sera jeté dans le temps, excusez-moi, dans le lac ardent de feu de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit. C'est pourquoi vous qui nous suivez, nous ne devons pas désirer ce lieu. C'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu où jour et nuit on est tourmenté. C'est un lieu où il n'y a pas de repos. Imaginez-vous la vie sur la terre. Qu'est-ce qui nous donne de l'espoir? Ce qui nous donne de l'espoir, même sur la terre, c'est qu'on se dit demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Sur le plan humain, même lorsqu'on n'a pas le Seigneur. On a raté un examen cette année, on a raté son examen, son bac. En 2018, on s'est dit, bon, je vais poursuivre parce qu'en 2019, je pourrais à nouveau avoir mon examen. Donc l'espoir, plus ou moins, nous fait vivre. Et justement, la Bible, c'est une espérance. C'est dans l'espoir, dans la foi qu'on est sauvé. Mais imaginez-vous dans ce lieu-là, dans ce lac, avant de faire le souffle, il n'y a pas d'espoir. Parce que demain, la souffrance sera plus ardue qu'aujourd'hui. C'est que plus le temps passera dans ce lieu-là, la souffrance augmentera. Comme on le voit ici, un tourment jour et nuit, un tourment pour l'éternité. C'est pourquoi, frère, nous devons nous battre pour nous sanctifier. Nous devons nous battre pour craindre le Seigneur. Je regardais une vidéo qui m'a choqué sur YouTube. Une vidéo, soi-disant pasteur, sur un réseau social, autant pour moi, un soi-disant pasteur, pour faire le délivrance, il embrassait les jeunes filles de son assemblée. Mais quelle abomination! Il y a tellement, c'est la cacophonie totale. C'est le mélange, c'est la confusion. Il y a un autre pasteur, n'est-ce pas, dans une autre assemblée, n'est-ce pas, qui faisait brouter à ses fidèles l'herbe, soi-disant pour faire la délivrance. Mais ces personnes-là, ça ne se répondent pas. Mais ils renoncent au lieu brûlé, consumé pour l'éternité. C'est pourquoi vous, frères et sœurs, qui nous regardez, qui nous suivez, il faut méditer la parole. Il faut qu'on médite nos Bibles. Il faut qu'on se base sur ce que la Bible nous enseigne. Pas sur les inventions humaines, parce qu'il y a tellement d'inventions humaines. C'est une petite parenthèse. Il y a tellement d'inventions dans les assemblées. Comme cet autre pasteur aussi, qui est un enfant, certainement, un fils de la perdition, certainement, qui pour faire des délivrances sur l'assemblée demande aux jeunes filles d'enlever leurs sous-vêtements. Il y a tellement de saletés dans ces assemblées. Comment la colère du Seigneur ne peut-elle pas s'abattre sur de telles personnes qui égarent le peuple du Seigneur par des pratiques abominables? On a d'autre côté des pasteurs qui encouragent, n'est-ce pas, la sodomie, des pasteurs qui encouragent la masturbation. Mais ça, c'est de la sorcellerie, excusez-moi de l'expression. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, l'Élohim de la Bible, est un Élohim qui est saint. Nous devons être saints. C'est une petite parenthèse, parce que la pensée m'est venue, je crois que c'est la famille du Seigneur. Nous voulons continuer à dénoncer les œuvres des ténèbres. La parole dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. On veut dénoncer ces pratiques abominables. Actuellement, les pasteurs, n'est-ce pas, font des pétitions parce qu'ils veulent que les lieux de culte ouvrent à nouveau. Parce que selon eux, n'est-ce pas, ils n'arrivent plus à payer les loyers. Parce que selon eux, n'est-ce pas, leur business. Certains disent clairement que les églises, c'est leur business.
dans l'évangile, depuis quand l'église du Seigneur, l'assemblée du Seigneur est un business, c'est un commerce. Il fait pasteur justement sans faillite, parce qu'il n'y a plus de réunion. Et ma prière même, c'est que si les lieux de culte ou les lieux de réunion s'ouvrent, qu'il n'y ait même plus autant de personnes dans cette assemblée. Qu'il y ait assemblée, n'est-ce pas, où il y a ces brigands, se ferment au nom de Yeshua. Parce que le peuple du Seigneur a tellement été malmené, maltraité. Nous devons revenir à la parole, revenir à l'évangile. Donc on va remettre le parage sur l'écran, s'il vous plaît, frères et sœurs. Donc c'était une petite parenthèse. Donc il dit au verset 11, « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Donc on est au verset 11. Donc là, on rentre de plein pied dans le jugement dernier. Mais on va voir que l'événement, n'est-ce pas, qui précède le jugement dernier, c'est d'abord la deuxième phase, la deuxième résurrection au temps pour moi. On va aller faire le verset 11, on va d'abord aller au verset 12. Verset 12. Donc on va démarrer avec la deuxième résurrection, qui est aussi un événement qui préfère le jugement dernier. Verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leur œuvre. » Verset 13. Verset 13. « Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. » Donc on apprend, n'est-ce pas, au verset 12. On va remonter au verset 12 parce qu'on va parler, on veut parler très vite. Donc on apprend ici, il dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. » Des livres furent ouverts. Donc on dit que les morts, on apprend ici qu'il y a des morts qui sont revenus à la vie. N'est-ce pas? Donc, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leur œuvre. On va lire la suite, on descend. On va descendre encore. On va lire le verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans le lac ardent de feu, dans le lac de feu. C'est pas ce que je cherche. On va remonter, s'il vous plaît. On va remonter un tout petit peu au verset 12. Donc, et il dit, je vis les morts, les grands et les petits. Donc, on apprend ici que les morts vont revenir à la vie, les grands et les petits. Les frères vont nous rechercher aussi le passage dans Apocalypse 20, 21 là-bas, ou le chapitre 20. Où on nous parle clairement de la seconde résurrection. Donc accordons-nous quelques secondes. C'est justement à partir du verset, on va refaire justement le verset qui nous intéresse, le verset 12. Donc, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Donc on apprend ici que il y a des morts, des grands et des petits qui vont revenir à la vie. On peut enlever le passage. Donc on apprend ici qu'il y a des morts qui reviennent à la vie. N'est-ce pas? Et ici, il s'agit de la deuxième résurrection. On a vu premièrement, n'est-ce pas, dans les enseignements précédents, qu'il y a des morts en Christ, il y a des morts en Machiach qui sont revenus à la vie et qui ont été changés. Mais si on apprend encore dans l'Apocalypse 20, le verset 12, qu'il y a des morts qui reviennent à la vie, des grands et des petits. Donc ici, c'est la seconde résurrection. C'est quoi la seconde résurrection? La seconde résurrection, c'est la résurrection de tous les impies. Depuis Caïn. Parce que Adam et Ève se sont répandus. On a vu que le Seigneur a tué un animal, n'est-ce pas, les a recouverts. Donc depuis Caïn, qui est le premier impie, jusqu'au dernier impie, on apprend que tous ceux qui sont morts, n'est-ce pas, vont revenir à la vie. Tous les impies, les menteurs, les voleurs, les escrocs, tous les impies reviennent à la vie pour le jugement dernier. Dans le jugement dernier, n'est-ce pas, c'est un jugement qui... où les hommes et les femmes, autant pour moi, seront jugés par rapport à leurs œuvres, par rapport au bien et au mal qu'ils auront fait dans leur corps. Et on apprend que tous les morts, petits et grands, donc on apprend que sont concernés pour le jugement dernier, les grands comme les petits. C'est pourquoi on doit craindre le Seigneur. Les petits, si nous parlent de jeunes, les grands, n'est-ce pas, nous parlent de personnes qui ont un certain âge.
Les jeunes ici peuvent nous parler des petits-enfants. N'est-ce pas? Donc il y a des enfants qui seront concernés, des enfants bien sûr, je le précise bien, qui ont l'âge de la raison. Donc chez certains c'est 7 ans, chez d'autres c'est 8 ans, chez d'autres c'est 9 ans, chez d'autres c'est 10 ans, et même chez certains c'est 6 ans. Donc à partir de l'instant où on est conscient du bien et du mal, et qu'on choisit de façon délibérée, de façon consciente de faire le mal, n'est-ce pas? Si on meurt sans le Seigneur, on reviendra pour le jugement dernier. Parce qu'il dit qu'il a vu des grands et des petits. Donc les petits ne sont pas des jeunes enfants, des jeunes gens, des jeunes hommes. Amen. On va remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. On va remettre le passage d'Apocalypse 20. Donc, on est en train de démarrer avec le jugement dernier. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ici d'entrée de jeu? On voit qu'il y a d'abord eu premièrement, n'est-ce pas, Satan, qui a été délié pour après les 1000 ans pour séduire les nations et aussi pour la bataille, pour la guerre de Gog et de Magog. Et on est en train de voir ici maintenant. On a vu aussi qu'après la Satan était jeté dans le lac ardent de feu de soufre, qui est la seconde mort. Et ici, on est en train de démarrer avec le jugement dernier, le jugement des impies. Donc, on dit, verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. » Et on apprend que des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Les frères peuvent enlever le passage un instant. Donc, on apprend ici que des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc on apprend qu'il y a deux catégories de livres ici qui ont été ouverts. La première catégorie des livres fut ouverte. Pourquoi? Parce que devant le Seigneur, chacun de nous a son livre. Donc les livres qui ont été ouverts sont les livres où sont mentionnées toutes les actions que chaque individu pose en étant sur cette terre. Donc il dit d'abord que les livres furent ouverts. Donc chaque être humain sera jugé en fonction de ses œuvres. Qu'est-ce qui est écrit? Quelles sont les choses mentionnées dans ces livres? Dans ce livre sont mentionnées toutes les actions, tous les actes qu'on pose. C'est pourquoi ceux qui se disent que les actions qu'elles posent, toutes les personnes qui se disent qu'elles posent des actions que les hommes ne voient pas, que les hommes ne voient pas autant pour moi, le Seigneur voit toutes ces actions. On dit que les livres furent ouverts. On dit que toutes les œuvres, les actions qu'on pose, en bien ou en mal, le Seigneur mentionne. Ce qu'on fait la nuit lorsqu'on est seul. Ce qu'on fait en cachette, qu'on se dit, mon voisin n'a pas vu, ma femme n'a pas vu, toutes les fois que tu trompes ta femme dans l'adultère, que tu te masturbes la nuit, toutes ces œuvres, ces actions, le Seigneur les voit une note. C'est pourquoi des livres furent ouverts. C'est des livres dans lesquels sont mentionnées toutes les actions qu'on pose. Ça, c'est la première catégorie de livres. C'est les livres où sont mentionnées chacune de nos actions. Et sur ces livres-là, nos noms sont écrits dessus. Les noms, n'est-ce pas, sont mentionnés sur ces livres comme en tête. Par exemple, Christ, mon nom est mentionné, mon livre s'ouvre. Et je vais commencer à me relater toutes les œuvres, les actions que j'ai posées en étant dans ce corps. Bien sûr que moi, je serai enlevé par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, il s'agit ici de toutes les personnes qui ont refusé le Seigneur. Et la première chose que le Seigneur met en évidence, c'est le refus du salut. Il va rappeler, n'est-ce pas, toutes ces personnes, toutes les fois qu'elles ont entendu l'évangile, qu'elles ont bafoué, qu'elles ont rejeté l'évangile à cause du sexe, à cause de l'argent, de l'ivrognerie. Dans les livres seront ouverts. Et à l'intérieur seront mentionnées toutes les actions que les hommes posent. Toutes les actions, je dis bien, seront mentionnées à l'intérieur. En bien ou en mal, toutes les actions seront mentionnées. On va remettre le passage, s'il vous plaît, sur l'écran. Et il dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. On va enlever le passage à nouveau. Donc on apprend que le deuxième livre ouvert, c'est le livre de vie. Pourquoi le livre de vie est ouvert? Parce que justement, en fonction du premier livre, le deuxième livre est ouvert. Et parce que le premier livre est ouvert, parce que le premier livre va condamner les hommes par rapport aux actes qu'ils vont poser, le Seigneur va toutefois ouvrir le deuxième livre, le livre de vie. Pour vérifier, pour bien sûr voir que le nom de ces personnes ne seront pas mentionnés. Parce que c'est quoi le livre de vie? Le livre de vie, c'est ce livre où sont mentionnés les noms de toutes les personnes qui acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Premièrement, mais le livre de vie, c'est le nom où, ce livre où sont mentionnés les noms de ces personnes qui persévèrent dans la foi. Parce qu'on peut accepter le Seigneur et retourner dans le monde.
Donc, lorsque tu acceptes le Seigneur, ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu abandonnes le Seigneur, ton nom est effacé. Donc, ce livre de vie est ouvert et le Seigneur vérifie bien sûr, parce qu'il est juste, que tes actions, tes actes sont déjà condamnés et que ton nom n'est pas dans le livre de vie. C'est justement à partir du moment où ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie que tu seras jeté dans le lac ardent de feu de soufre pour l'éternité. Donc, c'est quoi le livre de vie? C'est ce livre où sont mentionnés les noms de toutes les personnes qui seront sauvées. Hommes, femmes, de façon confondue. On va remettre le pareil sur l'écran, s'il vous plaît, les frères. Donc, on apprend ici, à la fin du verset 12, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. C'est pas moi, c'est bien écrit ici. Et les morts, donc tous ces morts, c'est pour ceux qui sont revenus à la vie, qui ont la deuxième résurrection, et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Donc on apprend que chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est écrit ici, c'est très clair. Les frères vont garder le passage, s'il vous plaît, un instant sur l'écran. Donc on apprend ici que chacun sera jugé selon ses œuvres. On peut enlever le passage. C'est pourquoi on veut bien préciser à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Honnêtement, frères et sœurs, la Bible dit que le Seigneur est au ciel, il est assis sur son trône. Le Seigneur voit toutes choses. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Toutes les actions qu'on pose, en bien ou en mal, le Seigneur note. Je vous assure, au fait, lorsqu'on apprend ici que des livres seront ouverts, et qu'on sera jugé en fonction de nos œuvres, ça doit inciter, ça doit inspirer en nous de la crainte. On doit se dire, Seigneur, toutes mes actions sont notées. Je serai jugé en fonction de toutes les actions que je pose. Alors je dois veiller à poser des bons actes dans le Seigneur. Amen. Vraiment faire veillant sur tout ce qu'on fait. Toutes les fois, n'est-ce pas, qu'on a nourri de mauvaises pensées, qu'on tombe dans l'adultère en pensée. Et qu'on ne se répond pas, ses œuvres, ses actions vont ressortir le jour du jugement. Toutes les œuvres, les actions qu'on pose sortiront le jour du jugement dernier. On va remettre le passage sur l'écran. On va remettre le passage, s'il vous plaît, les frères. Verset 13. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et la déesse donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Donc on apprend ici que la mère même, la mère est un démon. Et la mère donna les morts qui étaient en elle. Donc la mère avale. Parce que justement, on peut enlever le passage un instant, s'il vous plaît. Parce que justement, vous voyez la seconde personne qui meurt par noyade. Vous avez jamais posé la question de savoir qu'il y a des corps qu'on n'a jamais retrouvés. Il y a des corps qui remontent à la surface, mais il y a des corps qu'on ne retrouve pas, des gens qui meurent par noyade, justement parce que la mer même est un démon qui avale des personnes. Et on peut remettre le parrain sur l'écran, s'il vous plaît, les frères. On dit bien, et la mer donna les morts qui étaient en elle. Donc la mer avale les morts. Et ce jour-là, la mer, lors du jugement dernier, la mer va vomir tous ces morts. Et on dit, la mort et l'Hadès donnèrent aussi les morts qui étaient en elle. Donc on apprend aussi que la mort aussi est un démon. Tout comme l'Hadès. On peut appuyer sur le petit doigt, sur Hadès. S'il vous plaît. Voilà, on nous renvoie vers un autre passage. Mais l'Hadès, c'est l'enfer. C'est le Sheol, c'est le lac, c'est le séjour des morts. Voilà, donc c'est bon. Donc on apprend que la mort aussi est un démon, tout comme l'Hadès. Et on dit qu'on apprend que la mer, 1, 2, la mort, 3, l'Hadès, vont vomir ou vont redonner les morts qui étaient en eux. Et tous ces morts furent jugés chacun selon ses œuvres. Mais qu'est-ce qu'on apprend au verset 14? Verset 14. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. On va enlever encore le passage un instant. Donc on apprend ici que la mort et le séjour de mort aussi seront jugés. La mort est un démon et ce démon qui tient les hommes captifs va être aussi jugé et condamné. Tout comme le séjour de mort, l'Hadès, le Sheol, l'enfer.
Donc l'enfer ouvert, ou Seigneur ouvre les hommes de façon provisoire actuellement, il sera jugé lors des morts de l'enfer. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Qui est concerné par le jugement dernier? Sont concernés par le jugement dernier, premièrement Satan. Parce qu'on a vu là-bas que Satan va jeter dans le lac ardent de feu de soufre. Concernant quoi par le jugement dernier, tous les hommes et toutes les femmes qui n'auront pas accepté le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Qui est encore concerné par le jugement dernier? Le démon de la mort. Le démon de l'Hadès aussi est concerné. Voici les quatre démons qui sont concernés par le jugement dernier. Satan, l'Hadès, donc l'enfer, le séjour de mort, le démon de la mort et les impies, les hommes et les femmes qui n'auront pas accepté le Seigneur dans leur vie, qui l'auront rejeté. On va remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. On va remettre le passage un instant. Donc, les frères nous ont ramenés à Matthieu 18, voilà. Donc, usage ultérieur du mot tombe, mort ou enfer. Donc, l'Hadès, voilà. Donc, on dit que l'Hadès, c'est, nous parle de la tombe, nous parle de la mort, nous parle de l'enfer. On dit que l'Hadès, chez les Grecs ou Pluton, chez les Romains, était considéré comme le dieu des profondeurs, n'est-ce pas? Souterraine et le maître des enfers. Donc, l'Hadès, c'est un démon, c'est le maître, il est considéré comme étant le maître des enfers. On dit, ce terme est parfois traduit par séjour des morts, équivalent hébreu de Sheol. Donc, voilà, c'est clair. On peut enlever le passage, s'il vous plaît. Et les frères vont rebasculer sur l'Apocalypse. Donc, on apprend ici que l'Hadès nous parle du Sheol, nous parle du séjour des morts, nous parle de l'enfer. C'est ce démon qui règne là-bas, qui règne, qui tient les hommes captifs. C'est le dieu de la mort, l'Elohim de la mort, l'Hadès. Le séjour des morts. Donc on apprend ici que la mort et l'Hadès furent jugés, furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Donc vous voyez que même la mort connaîtra la seconde mort. Pourquoi la mort connaîtra-t-elle la seconde mort? On va enlever le papier de connaissance, s'il vous plaît, les frères. Donc on apprend ici que la première mort, comme on l'a vu, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Parce que celui qui détient la mort physique, c'est le démon de la mort qu'on voit ici. Les frères vont me vérifier le démon de la mort. Sur la page, je pense aussi Thanatos. Vous allez vérifier ça, s'il vous plaît. Vous allez me confirmer ou pas. Donc le dieu de la mort, là, lui-même aussi, va jeter dans la seconde mort, qui est le lac ardent de feu de soufre. Donc même la mort qui brise, qui détruit les hommes actuellement, lui-même sera jeté dans le lac de feu et de soufre. Donc parce que justement la première mort, c'est la mort spirituelle. Et la seconde mort, qui est le lac ardent de feu de soufre, qui est la conséquence de la première mort. Donc on apprend ici que le démon de la mort, Thanatos, je crois, les frères vont vérifier, ils vont confirmer ou infirmer, ou me donner la bonne signification en grec et en hébreu. Donc le démon de la mort, tout comme le démon de l'enfer, eux-mêmes seront jetés dans le lac de feu. Ce qui est la seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est la séparation éternelle. Parce que la première mort, c'est une séparation physique. Pourquoi une séparation partielle autant pour moi? Pourquoi elle est partielle? Parce que tous les inconvertis sont morts spirituellement. Mais tu peux être inconverti aujourd'hui et tu peux accepter le Seigneur des temps après. Donc c'est une séparation partielle. Donc la mort, la première mort, qui est la mort spirituelle, est une mort partielle. Est une mort, une séparation partielle. Pourquoi? Parce que l'inconverti peut se convertir. Mais lorsqu'on arrive maintenant à la seconde mort, là, il n'y a plus de possibilité parce que la seconde mort nous parle de la mort pour l'éternité, la séparation éternelle avec le Seigneur. Et on apprend que le démon de la mort, tout comme le démon, n'est-ce pas, du séjour de l'Hadès, seront jetés dans le lac ardent de feu de soufre. On va remettre le passage, s'il vous plaît, sur l'écran. Verset 14. Et la mort et la mort furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Donc, sont concernés par le jugement dernier, le démon de la mort, le démon, n'est-ce pas, de l'enfer, le séjour de mort. Tous les impies, et aussi Satan lui-même, il est concerné par ce jugement dernier. Pourquoi on parle de jugement dernier? On va lever encore le passage, s'il vous plaît, sur l'écran. Pourquoi on parle de jugement dernier?
Parce que comme son nom l'indique, c'est le dernier jugement qui plonge les hommes après dans l'éternité. On parle de jugement dernier ou de jugement éternel, c'est la même chose. Dans le jugement dernier, le jugement éternel, il fait un jugement qui va plonger les hommes dans l'éternité. Parce qu'on a vu que dans le règne de 1000 ans, on n'est pas encore dans l'éternité. Donc après le jugement dernier, quand on rentre dans l'éternité, dans le jugement dernier, pourquoi? Parce que c'est le dernier jugement qui va plonger les hommes et les femmes, les impies, dans l'éternité. Dans la seconde mort. Donc je peux bien expliquer pour que ça soit assez clair et limpide. Donc jugement dernier ou jugement éternel, pourquoi? Parce que c'est le jugement qui plonge les hommes dans l'éternité. Donc, et ici, il s'agit bien sûr de tous les impies. Il s'agit aussi de Satan, il s'agit aussi du démon de la mort. Je ne sais pas si les frères, est-ce que les frères ont retrouvé la bonne expression pour pas que je dise, je me trompe. Le démon de la mort, là en grec, c'est Thanatos. Vous allez vérifier et puis vous me confirmez s'il vous plaît. Donc on va remettre le passage sur l'écran. Ah merci. Voilà. Dans la mythologie grecque, Thanatos en grec ancien, où Thanatos est la personnification de la mort. Il est une figure mineure de la mythologie grecque à laquelle on fait souvent référence, mais qui apparaît rarement comme individu. Donc la traduction latine de son nom est Thanatus, mais son équivalent dans la mythologie romaine est Mort, aussi appelé Létus, souvent à tort confondu avec Orcus, une divinité romaine en des enfers. Merci. Donc c'est bien cela, Thanatos, voilà, fait démon qui tient les hommes et les femmes captifs actuellement, le démon, le dieu ou l'Elohim de la mort. Mon apôtre lui-même, Thanatos, ou le démon de la mort, il sera jeté dans le lac de feu et de soufre. Et on apprend qu'après, ce lac de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est pourquoi, frère, on doit craindre le Seigneur. Dans le démon de la mort, même lui-même va fléchir le genou ce jour-là. Il sera jugé et jeté dans le lac de feu. Donc le jugement dernier, comme on l'a vu, comme on est en train de le voir, c'est un jugement qui va plonger les hommes et les femmes, n'est-ce pas, et aussi certains démons, et aussi les démons, toi pour moi, dans l'éternité. Dans l'éternité, mais sans Elohim. Dans l'éternité, on est là à l'onde de feu de soufre. Et c'est vrai que ce n'est pas mentionné ici, mais tous les démons aussi seront jugés. Dans le jugement dernier, seront tous jetés dans l'onde de feu de soufre. Les démons sont exceptions. Le démon, n'est-ce pas, la sirène des eaux, le démon de l'impudicité, tous ces démons de la cupidité, tous ces démons, lors du jugement dernier, seront au même titre que la mort, au même titre que l'Hadès, au même titre que Satan, seront jetés. Parce que merci Seigneur, merci vraiment Saint-Esprit. Parce qu'actuellement, tous ces démons, ils sont où là? Ils sont en enfer. C'est là-bas où ils sont assis, où ils règnent, là où ils dominent. N'est-ce pas? Ils sont au niveau de l'enfer, de la guerre sur ce jour de mort. Donc, vous voyez qu'en jugeant, n'est-ce pas, le démon, donc la tête même de l'enfer, de la guerre, forcément, tous ces démons, toutes ces entités avec nous seront jugés. Donc, le jugement de l'enfer, remettons le passage s'il vous plaît, les frères. Donc, le jugement de l'enfer, le jugement de la guerre, c'est aussi le jugement de tous les démons. Donc, verset 14, et la mort et la guerre furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. On va encore lever le passage. Et on dit que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Voici pourquoi justement le Seigneur a ouvert deux livres. Il a ouvert le livre où toutes les actions des individus sont mentionnées. Il a aussi ouvert le livre de vie. Donc toutes nos actions sont mises en lumière, en évidence, et le Seigneur nous juge en fonction de tout ce qu'on aura fait. Et après, deuxièmement, il vérifie si nos noms sont dans le livre de vie. Bien sûr que lorsqu'on arrive à ce niveau, aucun nom ne peut plus être trouvé dans le livre de vie. Parce que les noms qui sont mentionnés dans le livre de vie, c'est les noms des personnes qui auront vécu la première résurrection. Donc notamment l'Église, les croyants de l'Ancienne Alliance, les Israélites qui se repentiront lors de l'avènement du Seigneur. Donc, ce sera ici simplement comme sera juste comme une formalité. Donc, le Seigneur va ouvrir ce livre comme pour remplir simplement une formalité, mais à ce moment-là, lors du jugement dernier, il ne peut plus avoir un seul nom qui peut se retrouver dans le livre de vie. Donc, on apprend ici que le démon de l'enfer, n'est-ce pas,
l'Hadès, le Sheol, sera jugé. Avec lui, tous ses démons. Donc, on va repartir sur le passage, s'il vous plaît. Et on va prendre Apocalypse chapitre 21. Donc, on va juste descendre un tout petit peu. Mais j'ai envie de faire un petit résumé, s'il vous plaît. Les frères, on va d'abord revenir sur. On va enlever le passage. Juste un petit résumé. Donc, on est en train de parler du jugement dernier. Et c'est quoi le jugement dernier? Comme on l'a vu, c'est la destination finale où c'est à l'issue de ce jugement que les impies seront jetés dans le lac ardent de feu et de soufre. Donc, jugement dernier, pourquoi? Parce que c'est la destination finale de toutes les personnes qui n'auront pas accepté le Seigneur. On parle de jugement dernier ou de jugement éternel. Pourquoi? Parce que ce jugement-là nous fera rentrer les impies dans l'éternité. Et on a vu que le lac ardent de feu et de soufre est aussi appelé la seconde mort. Pourquoi la seconde mort? Parce que c'est la séparation pour l'éternité avec Elohim. Et on a vu que qui sont concernés par le jugement dernier? On a vu qu'il y a Satan qui est concerné par le jugement dernier. Donc il sera lui-même jeté dans le lac ardent de feu et de soufre. Il y a le démon de la mort aussi qui est concerné par le jugement dernier. Il y a l'Hadès, donc le démon de l'Hadès. L'Hadès et tous ses démons. Donc l'enfer et tous ces démons sont aussi concernés par le jugement dernier. Et il y a aussi tous les impies de tous les âges, de toutes les générations qui sont aussi concernés par le jugement dernier. Bien sûr, en commençant par Caïn. Donc voilà un peu le jugement, ce que c'est que le jugement dernier. Et on a vu que durant ce jugement, des livres seront ouverts. On a vu que ce livre-là fait quoi concrètement? Ce livre, n'est-ce pas, sont des livres où sont mentionnés, où le Seigneur note toutes les actions que chaque individu pose. Donc on a vu que les livres sont au pluriel. Pourquoi? Parce que chaque individu a son livre devant le Seigneur où le Seigneur mentionne toutes les actions qu'on pose. On a vu que à côté des différents livres qui ont été ouverts, il y a aussi le livre de vie qui a été ouvert. Et justement, ce livre de vie, c'est le livre où il y a inscrit tous les noms des personnes qui sont sauvées. On voit que quand le Seigneur justement ouvre ce livre, comme on l'a vu, c'est pour une formalité parce que à ce moment-là, à partir du jugement dernier, plus aucun individu ne peut se retrouver dans le livre de vie. On a vu qu'avant le jugement dernier, il y a d'abord la deuxième résurrection. On a vu que la deuxième résurrection, c'est la résurrection de tous les impies. Donc de tous les hommes et de toutes les femmes qui auront refusé l'évangile, qui n'auront pas accepté le Seigneur dans leur vie, leur cœur comme Seigneur et Sauveur, vont revenir à la vie pour être jugés. On a vu qu'à cette occasion, la mère aussi va vomir, parce que la mère aussi est un démon qui sera aussi jugé justement. On a vu que la mère aussi, n'est-ce pas, va aussi vomir les morts qui sont en elle. Voilà. Et on a vu que on peut le dire ici, on a vu que lorsque au ciel, n'est-ce pas, les anges ont été chassés, il y a des démons qui sont allés dans les eaux, ce qui a donné naissance aux démons des eaux. Donc on voit que la mer aujourd'hui, n'est-ce pas, est gérée, il y a un monde souterrain là-bas géré par l'esprit des eaux. Donc ces démons-là avalent justement les hommes. On a vu que la mer aussi va vendre les morts qui sont en elle. Parce que la mer aussi est un démon et ce démon aussi va être jugé. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait retenir concernant le jugement dernier. On a dit pourquoi jugement dernier? Parce que c'est le jugement final. Jugement dernier parce que c'est le jugement qui fera rentrer les gens dans l'éternité. Et on a dit jugement dernier pourquoi? Parce que après ce jugement, les gens seront séparés éternellement du Seigneur. C'est pourquoi vous qui nous regardez aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on doit faire la paix avec le Seigneur. Aujourd'hui qu'on doit tout faire pour se sanctifier, pour craindre le Seigneur, parce que le catholicisme romain nous trompe. Par exemple, ici on apprend que tous ceux qui meurent sans le Seigneur reviendront à la vie rien que lors de la seconde résurrection. Vous voyez, non? Alors que le catholicisme nous apprend que lorsque des gens meurent, on peut prier pour eux et puis vont obtenir le pardon de leurs péchés. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Justement parce que lorsqu'on connaît la mort, on en attend du jugement éternel, du jugement final. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui n'ont pas accepté le Seigneur. C'est pourquoi c'est en étant vivant qu'on doit faire la paix avec le Seigneur. C'est en étant vivant qu'on doit se réconcilier avec notre Créateur parce qu'après, il sera trop
tard. Amen. Donc on va finir avec la nouvelle Jérusalem ou la nouvelle Jérusalem. On est dans Apocalypse chapitre 21. Donc on voit ici, on a vu le jugement dernier. Et on a vu que, remontons juste un peu là au verset 20, remontons juste un peu s'il vous plaît. Remontons encore. Voilà, verset 11. Verset 11. Donc on a vu que lors du jugement dernier, il dit, et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Donc on apprend que, on dit quoi? Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. On va enlever un peu le passage s'il vous plaît. Je voulais quand même qu'on le précise. Que lors du jugement dernier, même le ciel qu'on voit actuellement et la terre vont être consumés. C'est-à-dire qu'on apprend ici que le ciel et la terre d'à présent vont s'enfuir devant la face du Seigneur. C'est terrible. Donc vous voyez pourquoi on n'a pas besoin de s'attacher à la terre, à la poussière, à la fumée, à la vanité. Parce que comme Pierre, on va prendre vite 2 Pierre chapitre 3 quand même, je veux qu'on le lise. Avant de terminer avec la nouvelle Jérusalem. Donc on va prendre 2 Pierre chapitre 3. On va lire à partir du verset 8. À partir de Pierre chapitre 3, on va lire à partir du 2 Pierre chapitre 3. On va lire à partir des premiers versets, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3, on va descendre au verset 7. 2 Pierre chapitre 3, verset 7. On dit, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Donc on dit, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu. Donc on peut enlever le passage. Donc on apprend que justement la terre et le ciel qu'on voit actuellement sont réservés pour le feu. Et on va repartir dans Apocalypse là-bas, 21 maintenant. Et on a vu que dans Apocalypse, avant le jugement dernier, la terre et le ciel s'enfuient justement devant le Seigneur. Donc nous attachons pas la poussière, nous attachons pas la fumée et à la vanité. Apocalypse chapitre 21. Donc après le jugement dernier, tous les impies sont jetés dans le lac ardent de feu de soufre. On rentre dans l'ère de l'éternité maintenant avec pour les croyants la nouvelle Jérusalem ou la nouvelle Jérusalem. Le premier verset dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus. Donc on voit que la mer n'existera plus justement parce que la mer est un démon. Verset 2. Et moi, Yohanan, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. On dit descendant du ciel. On va d'abord lever le passage un instant, parce que ce peu pourrait porter à confusion. On a vu que le ciel et la terre sont réservés pour le feu et vont s'enfuir. On apprend ici que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Parce que seulement il existe 3 ciels. On a le premier ciel qu'on voit les nuages, l'atmosphère. On a le deuxième ciel où les démons s'agitent, les démons, n'est-ce pas, résident aussi. On a le troisième ciel qui est le trône d'Élohim. On pourra y revenir prochainement. Paul dit dans 2 Corinthiens notamment, chapitre 12, si j'ai bonne mémoire, qu'il était ravi jusqu'au troisième ciel où se situe le trône d'Élohim. Donc lorsqu'il dit qu'il a vu descendre du ciel, c'est justement ce troisième ciel où est situé le trône du Seigneur qui va descendre. Donc je voulais qu'il y ait cette précision. Mais le ciel qu'on voit actuellement, le premier ciel, les nuages et l'atmosphère, et le deuxième ciel, n'est-ce pas, où est recouvert, n'est-ce pas, des démons et des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, selon Éphésiens, voilà, vont disparaître quand le Seigneur va revenir pour juger les nations et les hommes. On va remettre le passage s'il vous plaît. Verset 3 donc, et j'entendis une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Il dressera sa tente avec eux, ils seront ses peuples, et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Verset 4, Élohim essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Donc on apprend que la nouvelle Jérusalem est une cité, et qu'à cette cité, le Seigneur essuiera toutes les larmes de nos yeux. On apprend aussi que la mort aura disparu. Le démon de la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Verset 5.
Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris parce que ces paroles sont véritables et certaines. Donc on va enlever encore le passage de façon provisoire. On apprend, n'est-ce pas, que la nouvelle Jérusalem est une cité. Est une cité. La cité sainte. Et on apprend que à ce lieu-là, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, ni larmes, parce que les premières choses sont passées, les premières choses auront disparu. On apprend que cette cité, il y aura la paix, la joie éternelle. On a vu plus haut que le Seigneur sera avec son peuple. Le Seigneur sera là avec nous pour l'éternité. Donc lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem, cette cité que le Seigneur a préparée pour ses élus, où on vivra le bonheur, la paix, l'amour pour l'éternité. On a vu que le ciel et la terre auront disparu parce que justement après le règne de 1000 ans, après le jugement dernier, la terre actuelle va disparaître. Donc la terre va disparaître, elle sera consumée et la nouvelle Jérusalem va apparaître. On dit que cette nouvelle Jérusalem c'est une cité, une grande cité, là où on va tous habiter et on sera avec le Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi on doit se battre, on doit se sanctifier pour avoir accès à cette cité. On va remettre le passage sur l'écran s'il vous plaît. Verset 7, c'est le verset 6, oui, on est au verset 6, s'il vous plaît. Il me dit aussi, c'est fait, moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7, celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses, et je serai son Elohim, il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On va descendre le verset 9. On va juste commenter un tout petit peu, mais tout est clair. Donc, et il vint à moi l'un des sept anges qui a les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Il me parla disant, viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une haute et grande. Verset 10, s'il vous plaît, les frères. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel auprès d'Élohim. Verset 11. Ayant la gloire d'Élohim, et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ouh, c'est magnifique cela. Verset 12. Donc on voit ici la description simplement de la Nouvelle Jérusalem parce que on ne peut pas en parler, on ne peut pas parler de celui-là avec précision, parce que c'est un lieu glorieux. On va se voir les descriptions et on va s'arrêter. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits sur elle qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Du côté du Sud, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Verset 14. Et la muraille de la cité a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 15. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré avec, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. On va enlever le passage d'abord un instant. On tient bien à préciser que ici les mesures qui sont données, ce n'est pas des mesures, on va dire, totales et déterminées. Parce que c'est clair que la Nouvelle Jérusalem, on ne peut pas avoir ces mesures parce que c'est une cité qui est grande et qui est vaste. Donc les mesures qui sont données, n'est-ce pas, sont des mesures que Jean a essayé de traduire. Il en a essayé de traduire avec son intelligence humaine. Mais c'est clair que les mesures liées à cette grande cité ne peuvent pas être déterminées ici par Yohanan parce que c'est un humain. Il a essayé avec l'intelligence, finalement, que l'intelligence et la sagesse que l'homme lui a donné, n'est-ce pas, essayer de donner une mesure, mais c'est clair que c'est pas la mesure exacte et finale. Parce que la Nouvelle Jérusalem est quand même cette cité qui est construite par le Seigneur et sur lui-même, on connaît les réelles mesures, les dimensions. Mais ce qu'on apprend, c'est que c'est une cité qui est en or et qui a plusieurs. On va le lire. Qui est en or et qui a plusieurs. On va revenir sur le passage, voilà. Et la mesure, il mesura la muraille, 144 coudées d'une mesure. On va laisser les mesures. On va lire à partir du verset 18, voilà.
Et la muraille est construite en jaspe et la cité est en or pur. Donc on apprend ici que la muraille est construite en jaspe et la cité en or pur. Semblable à un verre transparent, c'est magnifique. Verset 19. Et les fondements de la muraille de la cité sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Donc on apprend que les fondements de cette cité sont construits avec des pierres précieuses. C'est magnifique. Des pierres précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, et ainsi de suite. Et on va descendre encore, on va descendre un peu. À partir du verset 21. À partir du verset 21, on va remonter un tout petit peu. Voilà, 21. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la place de la cité est en or pur comme du verre transparent. Donc on apprend que c'est une cité qui est terriblement magnifique. Verset 22. Et je ne vis pas de temple, car le Seigneur l'Élohim Tout-Puissant est l'agneau. Car l'Élohim, donc verset 22, si vous permettez le curieux sur le verset 22, c'est pas évident de lire. Et je ne vis pas de temple, car le Seigneur l'Élohim Tout-Puissant et l'agneau en est lui-même le temple. Verset 23, et la cité n'a pas besoin du soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire. Et l'agneau est lui-même sa lampe. Donc on apprend qu'il n'y aura plus de soleil, plus de lune, parce que le Seigneur lui-même sera notre lumière, notre lampe. Verset 24, et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière. Donc on apprend que toutes les nations de la terre qui seront sauvées marcheront à la lumière du Seigneur. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Parce que justement, il y aura aussi des rois. Et voilà. Verset 25. Et ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Donc on apprend qu'il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura que le jour. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations. Ils n'entreront en elle jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On va enlever le passage. Donc on apprend que dans la nouvelle Jérusalem, comme c'est écrit ici, il n'entrera rien de souillé, ni rien d'impur. On a vu qu'ils n'entreront que ceux qui dont les noms sont écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier, nous devons craindre le Seigneur. On bascule pour terminer dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Donc, on va lire à partir du premier verset. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie. Donc, on apprend qu'il y aura l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Verset 3. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves lui rendront leur culte. Verset 4. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus là de nuit. Ils n'ont pas besoin de lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Elohim les illuminera. Ils régneront d'âge en âge. Donc on apprend qu'on régnera d'âge en âge avec le Seigneur. On bascule le verset 7 pour terminer. Voici, je viens à toute vitesse. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 8. Et c'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Verset 10. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre parce que le temps est proche. Verset 11, on va terminer par là. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12.
Il va fuir, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. On va enlever le passage. Donc le Seigneur va nous donner un conseil. Il dit que celui qui est injuste continue encore d'être injuste. Que celui qui continue à pécher, qu'il continue à pécher. Et que celui qui est saint se sanctifie. Pourquoi? Parce qu'il a estimé qu'il nous a tout dit et qu'il nous a tout donné. Et que chacun de façon libre doit faire un choix. Si tu es vu dans le péché, fais-le. Mais sache que pour cela, le Seigneur t'appellera en jugement. Si tu as choisi de te sanctifier, fais-le bien, fais-le davantage. Continue à te sanctifier parce que lorsque le Seigneur reviendra, il te récompensera. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour terminer cette thématique de la fin du temps. Juste préciser que concernant la Nouvelle Jérusalem, on a juste pu lire les détails que la parole nous donne, mais c'est clair que les détails sont très faibles par rapport à la réalité de la chose. Car cette cité a été construite par le Seigneur lui-même. C'est une cité parée d'or et on y habitera pour l'éternité avec le Seigneur. Donc battons-nous pour partir à l'enlèvement. Battons-nous pour craindre le Seigneur. Battons-nous pour nous sanctifier. Ce n'est pas toujours facile. Mais il dit que aux hommes cela est impossible, mais Elohim tout est possible. Et que tout est possible aussi à celui qui croit. Donc c'est possible de se sanctifier, c'est possible de craindre le Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Bonne soirée chez vous.